Non, elle n'est pas encore arrivée. Dis donc, tu t'es pas réveillée, toi, ce matin? Oh, Dieu, t'as la course. Silence! Qu'est-ce que vous attendez? Prof de maths, monsieur, elle n'est pas encore arrivée. Mmh. Bon, ben, entrez. Et je veux entendre le silence! Il y a du barrique alors à sa robe verte de Coluche. 10 balles sur la bleue. Maro, efface-moi ce tableau. C'est pas moi, monsieur. Efface ce tableau. Langlois! Tu veux que j'aille t'aider? Ça vous fatiguerait d'ouvrir vos livres et vos cahiers? Mais dis donc, elle en a dit encore trop baisé hier soir. Ah, tes conneries, elle est pucelle. Mais tiens, lave-la, j'ai dit la verte. Regarde. Allons, silence! Excusez-moi. Les encombrements, les feux rouges, j'en sortais plus. Oh, la belle verte, gagnée! Combino, c'est 2 heures de colle que tu vas gagner. Hein. Les châteliers, le premier qui bouge, vous me l'envoyez. Hein. Je veux entendre le silence. Hein? Bon. Tu viens avec moi ce soir? Pourquoi faire? On va faire une randonnée en bagnole. Chaillou, voulez-vous vous taire? Ah, je disais rien, mademoiselle. Bon, interrogation écrite. Oh non, pas ce matin! Vous ne nous avez pas prévenu, mademoiselle. C'est vrai, mademoiselle. Pour une interrogation écrite, il faut prévenir. Oui, exactement. Hein? C'est pas vrai, c'est le règlement. Le règlement Corbino, c'est nous qui le faisons. J'ai dit interrogation écrite. Je dicte. Moi, un triangle isocèle, A, B, C. Oh non, pas le triangle! Vous avez quelque chose contre les triangles, Gordier? Bah, oui. Ça pique. C'est malin. Bon, je dicte. Soit un triangle isocèle. A, B, C. Vous ne voulez pas des triangles? Bon. Alors, je vous laisse le choix. Quelle figure, messieurs? Les paralépipis, là. Oui, les paralélolos. Les paralépipis. La vieille, voulez-vous vous taire? Vous avez tort d'abuser de ma gentillesse. Vous allez me forcer à vous mettre à la porte. Je suis désolée, mademoiselle, mais vous n'avez pas le droit. Vous allez voir si j'ai pas le droit. Si vous mettez un élève à la porte, un camarade doit obligatoirement l'accompagner. Il en connaît un bout, hein? Ouais. C'est vrai, quoi. On pourra être capable de sauter par la fenêtre quand on est déprimé, non? Bon, Corbino, je vous remercie de vos conseils. L'incident est clos. Chaillou, voulez-vous venir au tableau? Moi? Oui, vous. Pourquoi c'est toujours moi? Parce que je serais heureuse de voir votre moyenne remonter un peu. Je vous attends, Chaillou. Voulez-vous me tracer un cercle de centre haut? Un rond? Oui, un cercle, une circonférence. Bon. Ben, c'est un cercle de centre haut. Effacez-moi ça tout de suite. Mais mademoiselle, je vous jure que c'est un cercle. J'ai vu ça dans un magazine. C'est américain. Ça s'appelle la géométrie molle. Taisez-vous. Je comprends pas pourquoi ça les fait rire, hein. Et c'est tout de même pour moi qui l'ai inventé, la géométrie molle. Taisez-vous, bande de crétins. Excusez-moi, mademoiselle, mais ils sont complètement débiles. Mais c'est pas des blagues, hein. Moi aussi, j'ai lu le journal. Alors, c'est Salvador Dali qui est l'inventeur? Taisez-vous, je vais entendre un silence. Le premier qui bougera, c'est la moi. Génial, ta géométrie molle. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va se faire sonner aussi? Pense plus, c'est pas de ta faute si tu sais pas faire des ronds. Chaillou,
Corbino, procure-nous ce proviseur. Et tout de suite. Dépêchons-nous. Allez. Approchez, approchez. Alors, vous êtes fier de vous? Répondez quand monsieur le proviseur vous parle. Pensez-vous, monsieur Jolibois, ils ne diront rien. Ah, c'est plus facile de terroriser une jeune professeure inexpérimentée. Alors? Voulez-vous m'expliquer pourquoi mademoiselle Châtelier est toujours obligée de sévir contre vous? Oui, mais elle me cherche tout le temps, alors. Qu'est-ce que c'est que ce langage de petit truand? Ça vous fait rire, Chaillou? Excusez-moi, monsieur le proviseur. C'est nerveux. Mais c'est vrai, monsieur le proviseur. C'est toujours à nous qu'elle en veut. En attendant, vous allez faire des excuses à votre professeur. Madame Beauchamp, voulez-vous faire entrer mademoiselle Châtelier? À votre avis, monsieur Jolibois, on peut convoquer le conseil de discipline dès aujourd'hui? Certainement, monsieur le proviseur. Alors, Chaillou, nous vous écoutons. Qu'est-ce que je dois dire? Excusez-vous auprès de votre professeur. Allez. Je m'excuse. Non, 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 non. Je vous prie d'accepter mes excuses. Je vous prie d'accepter mes excuses. Corbino, à vous. Alors, ça vient? Je vous prie d'accepter mes excuses. On va pas les enfiler. Et la prochaine fois, c'est la porte. Et définitivement. Mademoiselle Châtelier, asseyez-vous une seconde, je vous prie. Évidemment, c'est embêtant, toute cette histoire. Bon, je sais bien que c'est votre première année, et que pour débuter, les élèves de troisième, c'est un peu grand. J'avais demandé à ne faire que des petites classes, monsieur le proviseur. Mais oui, je sais bien, mais vous connaissez nos problèmes. Je me demande si je serais capable de continuer. Tout ça, c'est une question d'autorité. Vous savez, un professeur, c'est une espèce de mandarin qui ne doit jamais perdre la face. Vous n'auriez jamais dû quitter la classe, sous aucun prétexte. Oui, je sais bien. C'est de ma faute, mais j'ai eu peur tout d'un coup et... Eh oui, mais maintenant ils le savent. On pourrait peut-être les séparer, en mettre un dans une autre classe. Oh, il faudrait que j'y réfléchisse, nous verrons ça à la rentrée. Vous partez pour les vacances de Mardi Gras? Oui. Je vais à Tours dans ma famille. Je pars demain soir. Ça vous fera du bien. Vous avez besoin de vous reposer. Entre nous, pourquoi avez-vous choisi l'enseignement? Vous croyez que je réussirai pas? Mais si, mademoiselle, mais si. C'est pas ce que je voulais dire. Bon courage. Au revoir. La salope, la salope, la salope. Toujours qu'il nous le paiera à la collège. Tu crois qu'on va se faire saquer? Je m'en fous, ils pourront bien me virer, moi j'en ai rien à branler. Soit un cercle de centre haut. Chaillou, je vous attends. Laquelle on prend? Celle-là. T'as rien dit? Écoute, j'ai rien d'autre sous la main. Bon, va occuper ma mère pendant que je la sors. Puis tu me rejoins dans la petite rue derrière, ok? Bonsoir, Julien. Hervé est avec vous? Ah ben non, justement, je venais le voir.
Mais moi aussi, je voudrais bien le voir. Qu'est-ce qu'il a encore fait au lycée? Oh, je sais pas, on m'a pas dit. Je suis pas au courant. Bon, écoutez, je vous laisse, hein. Faut que j'y aille. Ah, pendant que j'y pense, dites à votre papa que sa 504 sera prête demain soir. Bon, d'accord, je lui dirai. Au revoir, madame. Au revoir. Allez, vite, vite, grouille, merde. Faut que je ramène la tire avant que mon beauf arrive. Hé, hey, ta mère, elle a l'air d'être au courant pour le lycée, hein. Oh bah merde, bah dis donc, ils perdent pas de temps, les vaches, hein. Hé, hey, vas-y, mollon, si on se monte sans permis. Oh, penses-tu? Moi, ce que j'aimerais, c'est une Porsche. La première qui rentre au garage, hop là. Oh oui, ça sent super. Eh, hey, dis donc, faudrait peut-être que t'apprennes à conduire, quand même. Tu veux essayer? Oh non, 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 pas la nuit, hein. Où on va? Chez la greluche. Mais t'es fou, pourquoi faire? Je sais pas encore, mais elle nous le paiera, la salope. Mais on va pas la voir. Mais non, non. On va juste te repérer. T'as l'adresse? Ouais, j'ai demandé à Mainviel. Il prend des leçons particulières. Quel faillot, ce Mainviel. Tiens, c'est là. Regarde si ça tire est là. La voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dégonfle les pneus? On lui crève carrément. Remarque qu'il y a mieux. On lui fout un sucre dans le réservoir. Elle est obligée de tout faire démonter. Comme ça, elle a pas de bagnole pendant les vacances. C'est un peu vache, non? Ouais, mais elle a pas été vache avec nous. Ah oui, monsieur le proviseur, chez le Corbino, il m'embête. Et fais gaffe, là. On va lui filer le train. Oh, il y aurait un truc génial, remarque. Mieux que le sucre. C'est quoi? Ben, on pourra faire semblant de la kidnapper. De quoi? De la kidnapper, de l'enlever, quoi. T'es dingue, non? Oh, la trouille qu'elle se paierait, dis. Mais tu penses vraiment ou c'est pour blaguer? Ça serait énorme, non? Non, non, moi, je marche pas. Hein. Ben, tu te dégonfles, quoi. Mais non, c'est pas ça, mais je te dis que c'est pas possible. Puis d'abord, elle nous reconnaîtrait. Ça dépend. Si on se colle des bas sur la tronche. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on en foute? Bah, on la mettra à moisir dans un coin peinard, un jour ou deux. Quand même, c'est grave un truc pareil. Mais c'est pour rigoler, je te dis. Merde, elle s'arrête! On trouve la creluche, on trouve la creluche. Et si elle prévient les flics? Eh ben, elle les prévient, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Elle voulait des excuses. Et bah, par-dessus le marché, on lui offre le week-end à la campagne. Ah, parce que tu comptes faire ça pendant le week-end? Écoute, si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Alors, demain soir, on trouve la greluche. Monsieur est arrivé. Si monsieur veut bien se donner la peine. Bonsoir, papa. Te voilà. T'as vu l'heure? Il est 8h, hein. T'as fini tes consultations plus tôt aujourd'hui? Alors, ça a été au lycée? Le proviseur m'a téléphoné. Tu sais pourquoi? Alors, non seulement tu fiches rien, mais en plus, tu ridiculises tes professeurs. Écoute, papa, je vais t'expliquer, c'est... Oui, explique-moi. Explique-moi pourquoi ton prof de maths n'a pas la chance de te plaire. C'est pas mon prof. Parce que toi, au premier coup d'œil, tu reconnais un bon prof d'un mauvais. Écoute, elle est toujours après moi. Et elle a raison. Moi, si j'étais ton prof, je te jure que je te raterais pas. Oui, bien sûr, toi. Donc, bien sûr, moi. Parce que toi, t'es un pauvre persécuté, parce que tu es un incompris, parce que... Écoute, Julien,
Est-ce que tu te rends compte que cette femme peut perdre son poste à cause de toi? Écoute, quand même, faut pas charrier. Qu'est-ce que tu lui reproches? Mais on voit bien que tu la connais pas. Bon, reprenons. Toi et ton ami Hervé, vous êtes exclus du lycée à la rentrée pendant 3 jours. Oui. C'est ton proviseur qui vient de m'en informer. Ça fera bien dans ton livret scolaire. Alors, décision. Pour le 3e trimestre, je te mets pensionnaire chez les jésuites à Redon. Un point. Je veux que tu rentres en seconde C et on est loin du compte. Allô? Oui, c'est moi-même. Où ça? 25 rue du Château, oui. Non, 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 continuez, compresse. J'arrive tout de suite. Oui, oui, j'arrive. Tu fais rien pour attendre. On n'a pas fini d'en parler tous les deux. Bah, vous partez? Oui, j'ai une urgence. Je suis là dans une petite heure. Toujours au moment du plat chaud. Julien, t'as du feu? Tu sais bien que tu veux pas que je fume. Oh, ouais. C'est bien à peine que je lui fasse des cadeaux. Un briquet à 30 000 balles. Il l'aura laissé à l'hôpital. Bah, t'as rien mangé? J'aime pas ça. Oh. Ah, qu'est-ce que tu lui as fait encore pour qu'il soit aussi furieux après toi? Oh, rien, des conneries. Ah, si ta pauvre maman, elle voyait ça. Bah, allez, mange pendant que c'est chaud, toi. Ouais. J'en ai marre, marre, marre. Ah, ils te font chier. Allô, le garage Corbineau? Ah, c'est toi. Ouais, je voulais te dire pour la greluche. Je suis d'accord. Ouais, ouais, d'accord. Alors, pour transformer la voix, ouais, je te trouverai quelque chose, ouais. Bon, salut. Je hais mes études parce qu'il y a trop d'imbéciles qui savent lire. Un homme digne de ce nom ne fuit jamais. Fuir, c'est bon pour un robinet. Fuir, c'est bon pour un robinet. Je hais mes études parce qu'il y a trop d'imbéciles qui savent lire. Un homme digne de ce nom ne fuit jamais. Fuir, c'est bon pour un robinet. Fuir, c'est bon pour un robinet. C'est intéressant, ça. C'est de qui? Brésilien. Oh! Boris Vian. Tu sais que je l'ai connu? Enfin, c'est beaucoup dire, je l'ai connu. Je l'ai vu dans une cave à Saint-Germain, il y a longtemps, longtemps. Il jouait de la trompette. C'était pas de la trompette, c'était du cornet. Puis cette cave, ça s'appelait le tabou. Ah bah, dis donc, t'en sais des trucs, toi. Ah, il y a un livre que j'ai adoré de lui, c'est... J'irai cracher sur vos tombes. C'est son plus mauvais bouquin. Écoute, tu viens... Tout à l'heure, on n'a pas pu finir de parler. T'as jamais le temps de parler, de toute façon. Je sais, je sais. C'est vrai, mais si tu veux, j'ai pas une seconde. C'est de Boris Vian aussi, ça? Non, ça, c'est de moi. De toi? Ah, bah, dis-le, c'est pas mal. C'est un peu abrupt, mais c'est pas mal. C'est pas mal, pas mal. Bon. Pas bonne nuit. Pour les jésuites, tu sais, ça me punit autant que toi. Hein. Me retrouver ici, dans cette grande maison, tout seul. Faire 40 kilos, toute mouillée. Elle va peut-être se débattre. Heureusement qu'Hervé fait du judo. Faudrait pas qu'elle crie, on serait forcé de la sommer. C'est vraiment un coup à se faire foutre en tôle. Je vais lui dire que je marche plus.
Il y a autre chose dans ce texte, notamment le rapport à la science, hein, qui nous semble plus moderne. Ma vieille, qu'est-ce que t'en penses? C'est plus pessimiste. C'est exact, c'est beaucoup plus pessimiste. C'est-à-dire que cette société mécanisée, déshumanisée, qui est ici sur Mars... Tu t'es fait engueuler par ton père? Il veut m'envoyer en pension chez Jésus. Oh, c'est un facho. Et pour la Greluche, t'es toujours d'accord? On lui règle son compte ce soir. La société américaine, la société aussi riche qu'entière. Ah, dis donc, j'ai passé ma nuit à Grand Verger, moi. Bah, t'as intérêt, mon vieux. Parce qu'il y a encore un tas de trucs qui gueulent pas. Oh, mais c'est ça qui est marrant, la préparation du coup, mon pote. Et le parking? Tu y as pensé au parking? Il y a des tas de places de libre, comment tu vas savoir laquelle c'est? Mais pas de problème, les locataires ont tous leurs places réservées. Et elles se gardent toujours au même endroit. De toute façon, cet après-midi, tu viens à la maison à 2h. J'expliquerai le topo, ok? Oui, mais là, on va sécher la gym. Tu viens à 2h, c'est tout. Ok? Allez. Salut. Allez, salut, par contre. Ah bah oh la vache, ça fait drôlement peur. Pas mal, hein? Tiens, j'en ai un aussi pour toi. Ben voilà, essaye-le. Et... Il sent drôlement bon, ce truc-là. Tu parles, c'est à ma frangine. Elle se parfume à mort. Ah, ça te fait rêver, un petit puceau, là. Des conneries. Dis donc, tu crois pas qu'on pourrait nous reconnaître? Bon, penses-tu? On est simplement la forme du nez. D'une manière, j'ai préparé un truc, là. Tiens, c'est à quel âge? Il pourra pas nous reconnaître si on fout ça là-dessus. Prends sa tronche. Maman! Allez, répétition générale. Bon, toi, enlève ton bas, tu vas faire la greluche. Moi, faire la greluche? T'occupes. Bon, allez, ça c'est sa bagnole. Ça c'est la nôtre. Bon, alors toi tu t'assois là. Bon, alors t'arrives au parking, tu t'arrêtes, tu descends, vas-y descends. Tu te retournes, tu fermes la portière à clé, tu te baisses un peu, baisse-toi un peu. Et crac, je tombe dessus. Et à ce moment-là, je la glisse là-dessus, sur la banquette, je la tiens bien coincée, je retourne au volant et puis on se barre. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Pas chouette pour passer le week-end, ça? Dis donc, c'est sinistre, hein? C'est vachement isolé. Ça ne pourra toujours gueuler, hein? Ça fait longtemps que c'est inhabité? Tu parles depuis la mort de mon grand-père. Moi, je t'ai même pas né, alors. De toute façon, on coupera le courant et puis on la laissera dans le noir. Hein. C'est un peu salaud, non? Mais t'occupes. De toute façon, on la laissera pas ici. Hein. On la bouclera dans cette piole. Ça sent vraiment moisi ici. Hein. Confort moderne, bien tout, et même les chiottes, tiens. Mais tu crois pas qu'elle peut s'échapper? Bah, ça me fera mal. Non, mais t'as vu l'épaisseur du mur? Et puis il y a des barreaux partout. C'est mon père qui les avait fait mettre. Il a été cambriolé deux fois, remarque. Hein. C'est vraiment glacial ici. Il fera les pieds. Tiens-moi. Bah, y'a pas de drap. Puis quoi encore? La télé couleur, peut-être, non? Et comment tu la trouves, toi? Qui ça, la greluche? Bah oui, la greluche. Bon, enfin, elle sera bizarre si elle était pas prof. Remarque, sans ses lunettes, elle a de jolis yeux, non? Ah, tu te la ferais bien, mon salaud, hein? Oh, écoute, hein, je te demande si tu couches avec des palmes. Ouais, ouais. Et la bouffe, tu y as pensé à la bouffe? Je te dis que j'ai pensé à tout. Ce matin, je suis revenu du lycée et j'ai fait le marché. Bon, alors il y en a 5. Il y en a 2 pour ce soir et 3 pour demain. Alors là, il y a tout, hein. Jambon, saucisson, gruyère. C'est de quoi, hein. Et t'as pas mis de dessert? T'es vraiment amoureux, toi, hein. Quelle bagnole on prend? C'est-à-dire que pour demain, j'ai celle de ma sœur. Elle s'en sert pas le dimanche. Alors pour ce soir, il y a un problème, hein. J'ai que la 504.
504, celle de mon père. Mais t'es complètement zinzin. Oh, celle-là ou une autre. Mais si on se fait arrêter un barrage, on n'a pas de permis, rien. Bah ça reste dans la famille, comme ça. J'ai un peu les grelots, hein. Oh, mais puisque je te dis que c'est pour blaguer, te casse pas la tête. Est-ce que t'as ta cagoule? Sur mes genoux. Et t'as quelle heure? 6h moins 20. Et j'ai dit au pâteur que je serais rentré à 7h30 ou plus tard. Ta gueule! Lave-la! Et ta cagoule! Je vais aller ouvrir la grille. Si elle bouge, tu tires. Tu peux enlever le sac que t'as sur la tronche. Dis-moi, comment ça marche, t'as dit? Oui. Ça marche, là? Oui, oui. T'as de quoi bouffer sur la table de nuit. Mais mange pas tout. T'auras rien d'autre jusqu'à demain soir. Sur le lit, t'as une lampe électrique. Tout à l'heure, on t'éteindra le courant. Non! Ne me laissez pas dans le noir! Tais-toi! Et rends-nous la cagoule! Alors, ça vient? Oui, monsieur. C'est pas du dressage, ça? Assieds-toi sur ton lit. Je m'appelle Eliane, mais non, Eliane.
parents. Qu'est-ce qu'ils font, tes vieux? Ils sont cacaillés. Où ça? À Tours. Tu mens. Mais non, vous avez qu'à regarder dans mon sac, vous verrez. Merde, son sac. Je suis sûr qu'elle l'avait quand on l'a embarqué dans la bagnole. Prends la lampe et viens m'éclairer. Dis donc, ouais. Pour vous qu'il soit pas tombé sur le parking. Hein. Mais non, je suis certain qu'elle l'avait en entrant dans la voiture. Oh la vache, il est là. C'est tout renversé. Tu vois? Bah, éclaire-moi. Oh, dis donc, il y en avait un bordel là-dedans. Son coudrier, son peigne, son porte-monnaie, un stylo, un briquet même. Puis un médicament. Bah, éclaire-moi mieux, je vois rien. Sa carte d'identité. Tu vois pas que le patin a trouvé les papiers de la greluche dans sa bagnole? Oh, puis ses lunettes. Ah bah dis donc, j'ai bien fait de regarder partout. Hein. Liliane chérie, j'ai envie d'être seule, avec toi, sans ces ombres toujours présentes entre nous. Je t'aime. Arrêtez, taisez-vous. Vous avez pas le droit. Non, arrête ça, j'aime pas ça. Et c'est signé Philippe. Bon. Eh ben, si tu veux le retrouver, ton Philippe, t'as intérêt à te tenir à carreau, hein. Et passe-moi ta bidouille. Mets-toi face au mur. Allez, va, n'est pas vache. Maintenant, dodo. Et pas la peine de gueuler. La propriété est complètement isolée. Prévenez mes parents. Ils vont s'inquiéter. Je devais les retrouver ce soir. Ok. Demain à la même heure, on te dira les conditions de ta libération. Ah oui, Joe. Je compte sur toi. Si elle bouge, tu la flingues. Espagne sur les feux! Bon, alors regarde. Planque la clé là. S'il y avait n'importe quoi, tu pourrais venir. Mais tu déconnes, j'espère. C'est ça l'organisation, faut penser à tout, mon pote. Ça va, il est pour 7h30. Tu seras à l'heure. J'aurais pas cru que ce soit si facile. Dis donc, elle est vachement bien roulée, hein. À voir, on dirait pas, mais... à tâter, pardon, hein. Sacré greluche, va. Elle s'appelle Eliane. Eliane, mon amour, tu es belle comme le jour. Ton petit cul et tes nichons me font perdre la raison. Arrête tes conneries, tu veux. Qu'est-ce qu'elle doit avoir peur? Ça va, le garage est pas encore fermé. Tu crois qu'on peut nous voir? Oh, penses-tu? À cette heure-ci, il y a que le pompiste. Puis il a intérêt à écraser, il me doit du fric. Merde, ton père! Sortez de là. Je vais vous expliquer, monsieur Chaillot. Tu ferais bien, oui. On a juste été faire un petit essai pour voir si l'allumage fonctionnait bien. Elle marche très bien, cette voiture. Sauf que Louis aurait pu donner un peu plus d'avance. Oui, les reprises sont un peu molles. Allez, file. On s'expliquera tout à l'heure. C'était pour rendre service. Hein. Allez, monte. Au revoir, monsieur Chaillou. Excusez-nous, docteur. Je suis vraiment désolée, je sais pas ce qu'il a en ce moment, il a le diable au corps. Envoyez-moi la note. Faut pas trop nous en vouloir, vous savez ce que c'est quand il n'y a plus de père dans une maison. Tous les jours, une connerie alors. Non, mais tu te rends compte?
sans permis. Et en plus, vous êtes mineur. Et en cas d'accident, tu sais qui serait responsable? Mais réponds, tu sais qui serait responsable? Ben, c'est toi. Oui, c'est moi. Et tu sais ce qui se passerait? Non. Ouais, t'en fous. Ça te laisse froid, hein? L'argent, je le fabrique, c'est bien connu. Enfin, tu vas pas me faire croire que vous avez simplement fait le tour du pâté de maison, hein? La voiture est couverte de boue. Alors, où étiez-vous? Tu veux rien dire? Bon, tu monteras dans ta chambre sans dîner. Oh, puis pas de larmes avec moi, s'il te plaît, hein? Pas de larmes. Il est 9h30. Bon, allez, je vais t'ouvrir les rideaux. Elle a sûrement mal dormi, elle aussi. Dans cette chambre glaciale. On aurait dû lui mettre du chauffage. Oh, la trouille qu'elle doit avoir. Il y a quelqu'un? Vous êtes là? Vous êtes là? Je t'ai mis un bout de cake en plus. Pourquoi tu n'es pas plus gentil avec ton père? Tu t'en rends peut-être pas compte, mais il t'aime bien, tu sais. Oh, parfaitement. L'autre jour, je lui disais pourquoi monsieur se remarie pas. On refait sa vie à votre âge. Eh bien, il m'a dit je peux pas à cause du petit. Laissez-la. Je vais m'en occuper. Je prendrai une consultation. Allô, ici le cabinet du docteur Chailloux. Ah, c'est toi. D'où tu m'appelles? D'une cabine. Comment ça s'est passé pour toi? Bah ouais, il engueule à la maison, quoi. Il veut absolument savoir où on a été. Et toi? Bon, moi, c'est à peu près pareil. Sauf qu'ils étaient trois à m'incendier. En marque, moi, dans ces cas-là, je gueule plus fort qu'eux. Rien de changé pour ce soir? Non, rien. Ma sœur et mon beau vont chez des amis, puis ma mère sera devant la télé, comme d'habitude. Hé, hey, je te donnerai un coup de fil avant de partir, hein. Qu'est-ce que c'était? Oh, rien, c'était une erreur, c'était pour le docteur Pellegrin. Ah bon? Eh ben alors, bon dimanche, hein? À demain. Bon dimanche, Marthe. C'était d'une drôlerie, bon, je veux pas savoir. Je le fais mal, je suis pas Chaplin, hein, mais vraiment, c'est un film que tu dois voir. C'est vrai? Eh, dis Julien, on va pas se faire la tête pendant 8 jours. Allez, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Ben, je reste là, tu veux pas que je sorte? Oh, exagère pas, écoute. Tiens, on va se payer une toile. Une quoi? Si, on va aller au cinéma, un cinoche, quoi. Mais on peut pas, la première séance est trop tard, on fait la seconde, d'accord? Bah, ça a l'air de te faire plaisir, ce que je te dis. Mais c'est pas ça, papa, hein. Ça me fait vachement plaisir, mais... je les ai tous vus, les films, et puis... il passe que des vieilleries en ce moment. Ah bon? Bah tant pis. J'irai faire un petit bridge au club. Ouais, et puis moi, j'ai des devoirs à faire. Faut mieux que je révise. Hein. T'as raison, c'est sage. Je crois que j'ai bien cuit le poulet. Il est formidable. Sur ma voiture. Tu es libre. Les mains sur la tête. Surtout, ne te retourne pas avant que le bruit du moteur ait disparu. Le
tu vas, tu sors? Moi, je vais faire un tour, on est tous ici. Mais tu rentres pour 8 heures, hein? Ouais, ouais, c'est ça. Il y avait toujours cette inquiétude, mais en tout cas, cette victoire est incontestable, et incontestée d'ailleurs, vérité, sans contestation possible. Allô, c'est toi? Et il n'y a pas photo. Hein. J'arrive dans 10 minutes. Hein. Le plus beau jour de votre vie, Guy. Aujourd'hui, je peux. Est-ce le que dire. Ton père est là? Non. Voilà, Didier Pironi. Bon, écoute, je vais te donner un coup de klaxon. Tu descendras immédiatement, ok? A tout de suite! Quel état on va la retrouver? Pourvu qu'elle soit pas tombée malade. Et si c'était suicidé? Oh non, quand même pas. Tu te rappelles, Hervé? C'est la fameuse année où on avait enlevé la greluche. Qu'est-ce qu'on était gonflés quand même. Je vais t'entrer, moi. Oh merde, merde, merde. Allô, le garage Corbino? Hervé là? Quoi? Oh non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Oh là 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 là. Mais c'est grave. Mais ça s'est passé où? Qui avait l'air drôlement amoché. Ça avait l'air d'être un gamin. Vous croyez qu'il est mort? Ben, je sais pas, ils l'ont emmené tout de suite. Heureusement que l'autre avait sa ceinture. On a beau dire, mais les ceintures, ça prend. Oh, oui. Allez, ne restez pas là, il n'y a rien à voir, s'il n'y a plus les... Allez, circulez. Avec lui ou quoi? Non, j'étais pas avec lui. Mais papa, fais vite, il paraît que c'est très grave. Oui, calme-toi, mon petit, calme-toi. Ils ont rien voulu dire à sa mère. Oui, Yano, c'est Chaillou. Oui, passez-moi l'interne de service. Ah, c'est vous, Chapuis. Dites-moi, vous avez reçu un jeune accidenté de la route du nom d'Hervé Corbino? Oui. Oui. Ah, d'accord. Bon, merci. Bonsoir. Alors? Eh ben, c'est pas fameux. Parce qu'il a une fracture du crâne, il a un enfoncement du sternum. Mais ce sera long? Mais j'en sais rien, mon petit. Je peux pas te dire. Ce qui compte, c'est qu'il s'en tire et qu'il sorte du coma. Surtout qu'il. Julien, Julien, te trouve pas mal? Julien, Julien, Julien. Julien, c'est pas. Julien. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, papa. J'ai fait un cauchemar. Ouais. Allez, tu vas bien te reposer et tu vas faire la grasse matinée. Mais papa, pour Hervé, t'as des nouvelles?
Non, mais j'y passe ce matin. Et alors, dès que je sais quelque chose, je te téléphone. Et puis, j'ai dit à Marthe de venir t'apporter le petit déjeuner au lit. Papa, je voudrais te dire quelque chose. Quelque chose d'important. De très important. Écoute, tu sais, j'ai pas bien le temps maintenant. Il faut que je sois à l'hôpital dans 10 minutes. Mais ce soir, je te promets, je rentre tôt. Comme ça, on pourra parler tous les deux. D'accord. Je peux pas le mettre dans un coup pareil. Il comprendrait jamais. Si je disais tout à la Greluche, l'accident, Hervé, tout ça, je devrais la laisser crever de faim. C'est sa faute après tout. T'es déjà levé, toi? Ah oui, il faut que j'aille voir la maman d'Hervé. Oh, ce pauvre Hervé. T'as vu le journal? Quand je pense que t'aurais pu être avec lui. Il va peut-être rester infirme toute sa vie. Je suis Julien Chaillot. Je vous demande pardon pour tout ce qu'on vous a fait. Hervé est dans le coma. Il s'est gravement blessé en venant vous délivrer. Par pitié pour lui, ne dites rien. Voilà, vous êtes libre. C'était pour rire, quoi. À la fin. De l'argent. J'en ai pas. Je vous l'ai déjà dit. C'est encore là. Je deviens folle ici. Répondez pas. Qui êtes-vous? C'est une femme, hein? J'ai senti votre parfum dans l'auto et tout à l'heure encore dans la chambre. Mais si vous êtes une femme, vous pouvez me comprendre. Je vous en supplie, aidez-moi! Et mes parents, ils savent que je suis vivante. Mais répondez! Dites quelque chose! Mais parlez! Dites n'importe quoi! J'ai peur! J'ai peur! Philippe! Philippe, viens à mon secours! Philippe! Philippe! Calmez-vous, Yann, calmez-vous. Parlez-moi.
mademoiselle. Oui. La chambre d'Hervé Corbineau, s'il vous plaît. Ah, il est en réanimation. Les visites sont interdites. Mais sa mère est là, je peux pas la voir. Bon, venez, je vais la prévenir. C'est la chambre 117. 117. 1 plus 1 plus 7, ça fait 9. C'est là. Ça va, c'est un bon chiffre. Il s'en tirera. Madame, il y a quelqu'un. Oh, c'est toi, mon petit Julien. Oh, tu es gentil. Oh, quelle horreur, tout ça. Si tu le voyais, mon Dieu. Mais comment il va? C'est affreux, il ne me reconnaît même pas. Je peux pas le voir. Oh. Juste une seconde. Ça va t'impressionner, tu sais. Il nous entend? Je crois pas. Quelquefois, il ouvre la bouche et remue les lèvres. Vous croyez qu'il veut nous parler? On dirait qu'il te reconnaît. Hervé, mon petit Hervé, je t'en supplie, parle-nous. Mais qu'est-ce que tu dis? J'ai pas compris, tu sais. C'était... pour... rigoler. Mais oui, c'était pour rigoler, maman te pardonne. On va te guérir, tu sais. Écoute, Hervé, je te laisserai pas tomber. On s'en sortira, t'entends? Tout va bien, crois-moi. Tout va bien. Ben oui, monsieur le commissaire, mais elle aurait dû arriver le samedi soir. On l'a attendue toute la journée le dimanche. Ma femme lui a téléphoné plusieurs fois et ça ne répond jamais. Oh non, ça, alors là, pas du tout, monsieur le commissaire. C'est une jeune fille très sérieuse, ça, c'est pas du tout son genre. Hein. Bon, ben, je vais vous donner tous les renseignements. Elle s'appelle Eliane Châtelier. C'est vous? J'ai froid. J'en peux plus, j'ai plus de médicaments. Quel médicament? De l'insuline. Je vous en apporterai demain. Couchez-vous face au mur. Ça vous fait plaisir? Je devrais peut-être vous remercier. À part les médicaments, vous avez besoin d'autre chose? J'ai besoin de tout. C'est glacial ici. C'est ignoble. Tout est moisi. Ça fait 3 jours que je vis comme une bête. Vous les avez prévenus? Vous avez demandé une rançon? On vous en parlera plus tard. Où ils sont descendus? Comme d'habitude. À l'hôtel central? Oui, oui, c'est ça. Et Philippe? Philippe, il est prévenu? Non, c'est pas la peine. Quoi? Parce qu'il vous aime pas. Mais c'est monstrueux ce que vous dites là, vous avez pas le droit. Je suis sa maîtresse. Faut pas pleurer, Eliane. Pardon, Eliane, je voulais pas.
J'ai rien fait de mal, vous savez. Je suis pas méchante. Bon, Philippe. C'est pas vrai ce que je vous ai dit. Mais pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi? Faites-moi confiance. À demain. Non. Ne me laissez pas toute seule. J'ai peur quand vous n'êtes pas là. Je vous laisse la lumière. Hervé, mon vieux, faut vivre. Ça vaut la peine, tu sais. Ça vaut vraiment la peine. Jeune homme, je peux vous aider? Bah oui, je voudrais une paire de bas pour dame, s'il vous plaît. Oui, bas ou collant? Je sais pas, collant, c'est mieux, non? Oui, c'est mieux, mais quelle couleur? Vous avez noisette, palma, noir, gris souris? Je sais pas, moi, noir. De toute façon, c'est pour ma sœur. Ah, bon. Alors, nous avons dit noir, noir, noir. Je suis resté une heure avec lui cet après-midi. Il n'a toujours pas fait connaissance. Tu vois, ce qui m'inquiète le plus, c'est le risque d'hémorragie interne. Mais il va pas... Il va pas mourir. Non, mon petit, mais non. Dans une semaine, de toute manière, on y verra un peu plus clair. T'as pas très bonne mine, toi, tu sais. Ça rien, papa. J'ai pas bien dormi cette nuit. J'aimerais bien que tu te changes un peu les idées. Puis tu manges rien en plus. J'ai pas faim. Et donc, qu'est-ce que tu voulais me dire ce matin? Quelque chose de très important? Ah ben, je sais pas. Je me rappelle plus. Tu sais, ça devait pas être très important. Dis, c'est quoi l'insuline comme médicament? Oh. Eh bien, l'insuline, mon cher, c'est un régulateur. Allô? Oui, c'est moi-même. Bonsoir, monsieur le proviseur. Dis donc. Ça alors, il est plus grand. Non, non, mais je vais le prévenir. Oui, oui, il sera là demain matin. À 9h, d'accord. Au revoir, monsieur. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Proviseur, ton prof de maths a disparu. Oh. Ça alors? Depuis samedi. Tu dois y aller demain matin à 9h. Mais pourquoi faire? Parce que la police va interroger tous les élèves. Faites entrer le suivant, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Vous savez, ce serait pas la première fois, hein. Vous vous souvenez l'affaire de Rennes, là, il y a 3-4 mois? La petite enseignante, oui, bien sûr. Oh, mais de là à penser à un suicide. Venez, Chaillou. Voilà Chaillou Julien, classe de 3e, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, il paraît que c'est toi le meneur? Je sais pas, monsieur. Mais tu sais quand même que ton prof de maths a disparu? Oui, ça je le sais. Mon père me l'a dit. Et qu'elle a disparu le lendemain du jour où vous avez fait votre chahut monstre? Oui. Alors, raconte-moi. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je t'écoute, hein. Vous poussiez des cris, vous lanciez des boulettes, des boules puantes. Oh non, c'est dépassé, ça. C'était du temps des chahuts aimables.
Maintenant, ces messieurs voient beaucoup plus loin. On n'attaque plus le professeur. On le supprime, on l'efface. On se comporte comme s'il n'était pas là. Et vendredi, elle a craqué. Tu te rends compte que ça peut être très grave, ça? Oui, monsieur. Est-ce que tu avais l'impression qu'elle avait perdu la tête ou qu'elle savait plus très bien ce qu'elle faisait? Oui, monsieur, mais je pouvais pas savoir que ça serait si grand. Et tu sais qu'il y a des professeurs qui se suicident pour des histoires comme ça? Non, monsieur, je savais pas. Écoutez, Chaillou, je ne veux pas vous accabler, surtout en ce moment. Vous avez déjà été assez puni comme ça. Oui, son meilleur camarade vient de se tuer dans un accident de voiture. Oh non, monsieur, c'est pas vrai. Vous ne le saviez pas? C'est pas vrai, il est pas mort. C'est pas vrai. Je suis vraiment désolé, Chaillou. Je pensais que vous aviez été prévenu. Mais vous savez, il n'a pas souffert. J'aurais peut-être besoin de revoir ce garçon. Allez, tu peux t'en aller. Au suivant. Le suivant, s'il vous plaît, Madame Beauchamp. C'est à cause d'elle. La garce. Allô, j'écoute. Je voudrais parler à M. Châtelier, s'il vous plaît. Pardon, parlez plus fort, s'il vous plaît. Ah, ne quittez pas un instant, on va le chercher. Prenez-le là. M. Châtelier au téléphone. C'est au sujet de votre fille. Elle est vivante. On lui fera aucun mal. Écoutez-le. Écoutez-le. Elle est dans le lieu sûr. Qu'est-ce qui me prouve que vous dites la vérité? Qu'est-ce qui me prouve qu'elle est encore vivante? On vous fera parvenir un mot signé d'elle. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Allô? C'est une rançon que vous demandez. Allô? Ah, vous êtes là? Oui, oui. Alors combien? On vous dira ça plus tard. Combien? Je vous demande combien? Je voudrais de la farine pour bébé. Oui. Laisse-moi. Oui, alors il y a le désiré. Je voudrais un flacon, enfin une ampoule d'insuline, s'il vous plaît. Non. Laquelle? Enfin, combien d'unités? Je sais pas, normal. Qu'est-ce que c'est, là? Ce jeune homme voulait de l'insuline, mais il ne sait pas laquelle. Vous avez une ordonnance? C'est-à-dire, je l'ai oublié. Ah ben, il faut me la porter, hein. Je peux pas vous en donner autrement. Bon, bah écoutez, je vais aller la chercher. Hein. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que je dois mettre?
bonne santé. C'est tout. Ça y est? Oui. Glissez-le sous la porte. Vous leur avez posé quoi comme condition? Mais répondez, j'ai le droit de savoir quand même. Combien? 50 millions. Combien? 50 millions d'anciens francs. Où voulez-vous qu'ils trouvent une somme pareille? Même en vendant le magasin, ils y arriveront pas? Philippe Perrin. Il n'a pas un sou. Si vous aime, il en trouvera. Mais vous êtes ignoble. Vous êtes monstrueuse. Vous êtes odieuse. Mais c'est pas vrai, je suis pas odieuse. D'abord, je suis pas une femme. Vous mentez tout le temps. Mais non, je mens pas. Mais de toute façon, vous pouvez pas comprendre. Mais comprendre quoi? Comprendre que quelqu'un est mort à cause de vous. Mais c'est ignoble ce que vous dites là. Mais c'est ma mort que vous voulez. C'est ma mort. Ça va mal finir cette histoire. Vous voulez ma mort, hein? Taisez-vous. C'est la même voix qu'hier. L'appel vient de la cabine téléphonique de la rue Carnot. Vous trouverez la preuve que votre fille est vivante dans l'annuaire à la page 193. Et comment va-t-elle? Surtout, ne lui faites pas de mal. Nous voulons 50 millions d'anciens francs. En vieux billets. Je vous rappelle demain. Et pas à moi, la police, hein? Et vous prévenez les voitures et vous faites surveiller toutes les cabines téléphoniques. Papa est en consultation? Non, il est en ville, une urgence. Les trois, hein? Alors, l'acte rapide, la lente et l'ultra-lente. Voilà. Bon, et écoutez, la prochaine fois, vous direz à votre médecin qu'il précise bien le dosage, hein? Pardon, c'est pas? Voilà. J'ai votre médicament. Couchez-vous face au mur. Je vais vous expliquer.
Laissez-moi sortir, Chaillou. Mais arrêtez, mademoiselle! Je vais vous expliquer! Mademoiselle! Attendez, je vais vous expliquer! Je reviens tout de suite. Toussez. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon petit, enfin ? Vite ! Je t'en supplie, viens ! C'est... Rhabillez-vous, monsieur, c'est terminé. Je reviens tout de suite, excusez-moi. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, je sais. Je suis passé à l'hôpital, mais tu sais, il s'est rendu compte de rien. Mais papa, c'est mais pas ça... Je comprends, c'était ton ami, tu l'aimais beaucoup. Mais non, papa, c'est Eliane. Elle va peut-être mourir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais mademoiselle Châtelier, elle a eu un accident, il faut que tu la soignes. Mademoiselle Châtelier, ton professeur? Mais tu sais où elle est? Julien, t'as pas fait de bêtises au moins? Papa, je te raconterai dans l'auto. Je vais prendre ma 300. Thank you.
Personne ne saura, Julien. Tu entends? Personne. C'est un accident. Tu as rêvé tout ça. Pour moi, tu sais, tu n'as rien fait de mal. Tu es mon petit garçon, comme avant. On reste ensemble. On se quittera plus jamais. Ils ont pas de chaud au fric, hein. Fais attention. Bon, vous faites identifier les objets par les parents. Ah, d'accord. Ils sont pas venus. Ben, je vais y passer. Alors, vous relevez les empreintes au sol, hein. Ok. Bon. Tu veux. Bon, d'accord. Nous, on retourne à la gendarmerie. Oui, c'est bien possible. Nous avons l'exclusivité de cette marque. Et vous en avez vendu beaucoup? Oh non, c'est un modèle qui n'a pas très bien marché. Vous pouvez me dire à qui vous avez vendu celui-ci? Et vous lui devez combien? 600 000. Enfin, 6 000 nouveaux francs. C'était pour payer les traites de la voiture. Ah bon? Bah, vous savez ce que c'est en ce moment? Je suis au chômage depuis 3 mois. Et c'est pour ça que vous vouliez lui emprunter encore de l'argent? Non, non, pas du tout. Vous avez tort de mentir. Et nous avons trouvé une lettre chez elle. Je n'ai pas osé te le dire hier soir, mais il faudrait que tu me rendes un grand service. J'ai besoin d'ici 24 heures de 500 000 francs. Ce sont des anciens francs encore, je suppose. Non, mais je suis pour rien dans tout ça, moi. Je sais pas ce que vous croyez, mais... Je crois rien, moi. Je cherche. Oui, entrez. Bon, je peux vous voir une seconde. Je reviens tout de suite, hein. Qu'est-ce qui se passe, du nouveau? Dites, c'est pour le briquet qu'on a retrouvé le tueur dans le sac. Il a peut-être été vendu, je dis bien peut-être, hein, au jeune Chaillot. Julien Chaillot. Qui c'est ça? Si, vous savez, un des garçons que vous avez interrogé le tueur au lycée. Ah, c'est le meneur. Intéressant, ça, hein? Il a fait faire un paquet cadeau, hein. Comptez quand même pas l'offrir à sa prof. C'est joli, ce briquet, hein? Julien, mon petit Julien, je t'en supplie, je ne veux plus qu'on en parle. Mais papa, pour Philippe, elle n'aimait pas, c'est pas possible. Non, elle n'aimait pas vraiment, elle n'aimait pas vraiment. Monsieur, c'est la police. La police? Oui, ils sont deux. Et où sont-ils? Mais dans la salle d'attente. Bon, bon, j'arrive tout de suite. Mais ils voudraient parler aussi à Julien. Bon, faites-les attendre dans mon cabinet, hein. Toi, tu dis rien, tu me laisses faire. Bon, reste là pour moi. C'est beau, ce meuble. Une copie, sans doute. Bonsoir, messieurs. Ah, excusez-nous, hein, d'arriver si tard, mais... J'aurais voulu poser 2-3 questions à votre fils. Je peux peut-être vous répondre. Alors, j'aurais préféré lui parler directement. Enfin, vous pouvez assister à l'entretien. Hein. Bien, eh ben, je vais le chercher. Asseyez-vous, je vous prie. Julien! Julien, tu veux venir quelques secondes, s'il te plaît? Bien. Ces messieurs voudraient te poser quelques questions. Ils sont de la police. Ah, mais nous nous connaissons. Bonjour, jeune homme. Bonjour, monsieur. Dis-moi, est-ce que tu connais ça? Mais c'est mon briquet, ça. Non, laissez-le répondre, s'il vous plaît. Alors, tu reconnais? Ben oui, ça ressemble au briquet que j'ai offert à papa. Non, mais ça ressemble ou c'est le même?
Je sais pas, moi, c'est le même. Vous avez votre briquet, docteur? Justement, je sais pas où je l'ai fourré. Ça fait longtemps? Oui, non, quelques jours. J'ai dû le laisser à l'hôpital. Mais vous pourriez me dire de quoi il s'agit? C'est-à-dire, on a trouvé ce briquet dans le sac de Mademoiselle Châtelier. Pour ça, par exemple. C'est sûrement une coïncidence. Elle devait sans doute avoir le même. Peut-être, oui. Enfin, il y a un petit problème, là, c'est... Elle ne fumait pas. Alors, qu'est-ce qu'il en passe? Je sais pas, monsieur, j'y comprends rien. C'est embêtant, tu comprends, parce que... Il y a déjà cette histoire au lycée. Maintenant, le briquet... Mets-toi ma place, hein. Peut-être falloir que je t'emmène. Mais où ça? Mon bureau. Foutez-lui la paix. Il est pour rien dans cette histoire. Ben, ça, c'est vous qui le dites, docteur. Oui, et je sais ce que je dis. Ça regarde que moi. Ah oui? Oui. Je suis responsable de la mort de Mademoiselle Châtelier. Papa? Nous attendre à côté, s'il vous plaît. Mais papa... Sois gentil, s'il vous plaît. Eh bien, voilà. Eliane Châtelier était ma maîtresse depuis 3 mois. Elle souffrait d'une laryngite et comme j'étais le médecin le plus proche, elle est venue me consulter de toute manière. Tout ça facilement vérifiable dans sa fiche médicale. Et alors? Et alors? Alors rien. J'étais seul depuis si longtemps. Un orage de septembre, comme on dit. Vous étiez toujours ensemble? Non, plus depuis 1 mois. Elle était amoureuse d'un garçon plus jeune que moi. Vous savez son nom? Je sais son prénom, Philippe. La jalousie, banale. Et l'enlèvement? Quoi, l'enlèvement? Ben oui, le crime passionnel, je comprends bien, mais la séquestration... Oh ben, c'est déjà vu. Peut-être, oui. Enfin, venant de vous, ça m'épate un peu. Vous ne me connaissez pas. Pas bien, oui, c'est vrai. Enfin, il y a autre chose qui m'embête, hein. C'est la voix. La voix? Oui, la voix au téléphone. Morin, vous avez l'enregistrement? Bien sûr. Voix, ça. C'est pas votre histoire non plus. Hein. Alors, j'aimerais bien enregistrer la voix de votre fils. Foutez-lui la paix, je vous l'ai déjà dit. Vous avez un coupable, ça suffit, non? Écoutez, je suis désolé de vous faire du mal, mais... Bon, rien, vous voulez dire au jeune homme de venir? Je vais le chercher. Julia, tu veux venir, s'il te plaît? Julien? Julien! Marthe, vous avez pas vu Julien? Non, mais j'ai entendu la porte. Qu'est-ce qui se passe? Julien! Julien, mon petit! Julien! Julien! Thank you.
Il veut vous parler.